Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu particulière en fait en vous présentant une partie de ma collection que vous n'avez pas pu voir dans les vidéos de présentation de ma collection justement puisque comme vous avez vu il y avait plein de cartons et donc enfin j'allais dire dans l'un mais en fait il y en a deux, dans deux de ces cartons il y avait donc tout ce que vous voyez devant. Donc c'est les peluches, on va dire les peluches d'animaux, les peluches pets, les peluches animaux de compagnie. Donc chat, chien, furet, chinchilla, lapin, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a aussi un petit loup et un petit renard, et un petit lion. Mais bon, c'est ça, on va dire, voyez, c'est dans le, voyez le genre, quoi. Donc des petits animaux, qui seront d'ailleurs au-dessus, bah, au-dessus de l'étagère que vous voyez en fond, voilà, tout en haut. Donc voilà, et du coup, bah, je vais vous les présenter un par un. Et puis je vais essayer de vous donner des informations et de pas dire trop de bêtises. Voilà. Donc on va commencer avec les miaous. Alors, on commence avec un petit MPC. Donc les MPC, c'est une petite marque de Banpresto, c'est des petits porte-clés, vous voyez. Voilà, j'ai laissé à Chaînette, mais vous allez voir, il y en a d'autres où en fait je l'ai enlevé. D'ailleurs, lui, je l'enlèverai. Parce qu'au final, moi, ça me sert à rien, c'est Chaînette. Ça m'embête plus qu'autre chose. Et donc voilà, donc c'est des petites peluches. Banpresto Keychain, ils ont fait toute la 5G comme ça. Donc ça c'est plutôt cool. Et là c'est vrai que depuis XY ils en font plein, ils en font surtout par thème, enfin par type. Mais là pour Meowth, genre il était sorti par contre avec d'autres Pokémon de la Team Rocket, donc Ulbutoke, Pitrouille, oui, et Sepiatop et d'autres trucs comme ça. Ensuite, ça c'est qui? Attendez, je vérifie un truc. Donc oui, donc là c'est une petite peluche de Tommy. En fait, j'ai découvert ça récemment parce qu'elle est assez ancienne, je sais plus, on est au niveau des années 2000. Hein. Et donc c'est tout petit et elle est assez rigolote. Donc là, il est en mode petit randonneur, quoi. Donc c'était avec le film, je sais plus lequel, mais le film de l'époque. Et donc voilà, il est plutôt rigolo. C'est pour ça que je l'ai pris. Il y avait d'autres petits Pokémon comme ça, pas dans cette famille, mais voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, alors là, celle-là, ça devient compliqué. Je vais devoir foutre un bordel monstre, mais c'est pas grave. Donc, on continue avec la peluche Miaouss du Pokémon Center Osaka. Donc, c'était pour, je crois, le déplacement, pour la réouverture, parce qu'en fait, il avait changé de lieu. Ça arrive parfois. Et donc, ils avaient fait trois peluches, mais pour les mascottes. Donc, c'était Miaouss, qui c'était Pikachu, bon, normal. Pareil avec un petit nœud papillon. Et Pokaboo, comment il s'appelle? Gricui, voilà. Donc c'était pour Gricui aussi, avec aussi un petit nœud. Donc ils sont tout mignons, tout classe, c'est tout simple. Et là, il a vraiment une petite tête super adorable, quoi. Enfin, moi, je l'adore. Et alors oui, par contre, vous allez voir, j'ai détaché quasiment tous les paper tags. Parce qu'en fait, les étiquettes, je trouve... Enfin, en fait, c'est un peu galère si vous voulez, parce que comme vous voyez, souvent j'aime bien mettre les peluches, bien les disposer, machin, donc je les déplace et tout. Et en fait, à chaque fois, si je dois faire gaffe aux étiquettes pour pas les abîmer, ça me prend un temps fou. Et de toute façon, il y a toujours un risque que ça s'abîme. Du coup, bah, récemment, j'ai décidé que j'allais toutes les enlever, les mettre à côté. Du coup, elles sont pas avec les peluches. Alors, je les ai quand même ramenées pour vous les montrer, si je suis pas sympa. Donc, ça, c'est là. Petite étiquette du Pokémon Center Osaka. Donc vous voyez bah, les trois mascottes justement dont je vous parlais. Donc voilà, plutôt sympa, un bel artwork. Bref, ensuite, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ouais, on va faire... Bah, ça commence à se casser la figure. On va faire... lui, il a plein de fils qui sortent de partout. Très chelou. Donc là, c'est un Banpresto. Enfin, non, c'est un Ichiban Kuji. Ou Ichiban Kuji, ça revient à Banpresto de luxe. Enfin, de luxe. C'est Banpresto, un peu au level, mais... Donc en fait, Ichiban Kuji, c'est pour les loteries. Donc là, vous voyez, donc c'était un prix de loterie, je sais plus lequel, est-ce qu'ils nous l'ont écrit? Non, en tout cas, c'était en 2012. Donc il y avait d'ailleurs, dans le même genre, parce que là, vous voyez, il a une petite peluche, il avait une petite peluche Pikachu. Et en fait, dans le même genre, ils ont fait un Pikachu, mais qui tient une peluche de Meowth, voilà, en correspondance, en miroir. Et donc voilà, il est plutôt sympa, surtout que moi, en fait, comment vous expliquer ça? Donc je vous ai dit, eux, ils seront là-haut. Ils seront là-haut. Et en fait, derrière nous, donc en face, il y aura l'étagère des Pikachu. Donc je me suis dit, ça va faire, ça va, je vais jouer le jeu de miroir à fond, quoi, avec ces deux petites peluches. Donc ça, bah, vous le verrez quand les étagères sont prêtes, mais ça peut être sympa. Ensuite, donc le petit Shibankuji de loterie.
Ensuite, nous avons un vieux miaouss. Ça, c'est old school. C'est un miaouss, je crois, de 2... Ah bah, 99. Donc, on est, oh là là, au 20e siècle. Donc là, c'est un petit miaouss. Donc là, d'ailleurs, on a des petits yeux en... Je sais pas comment dire. Enfin, vous voyez, en peint, quoi. Ils sont peints, donc c'est un petit truc un peu verni. Enfin, c'est pas des yeux en tissu ou brodés. Donc, bon, généralement, j'aime pas trop parce que... Parce que c'est un peu dangereux à la machine. Et en même temps, normalement, je lave pas mes peluches. Donc... C'est un peu débile, mais c'est pas grave. Mais ouais, ça rend plutôt bien. Il est plutôt bien conservé. D'ailleurs, je l'avais reçu en moins bon état. Mais justement, je l'ai lavé. Et monsieur est ressorti nickel. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et ouais, quoi. Je l'adore, celui-là. Hop. Attendez, parce que, en fait, je suis obligé de vous faire la vidéo de côté. Parce que derrière, j'ai pas de place. Alors, je vois pas trop ce que je fais. C'est. C'est un peu nawak. Voilà. Hop. La petite patte, les petites empreintes. Tout mignon. Ensuite, que j'essaie de vous arranger ça en pas trop dégueulasse. Ouais, non, de toute façon, si j'essaie de vous arranger ça, on en a pour 5 heures. Ensuite, on a un miaouss pompe presto. Alors, lui qui est un peu plus doux et qui est un peu plus gros. Donc, lui, il est sorti récemment, hein, c'est XY. Et c'était pour une série We Are Team Rocket. Donc, il y avait. Je crois que lui, il était avec Pitrouille, mais après, ils ont aussi fait un Sepia Top. Il y avait le coussin. Que vous avez peut-être vu dans la vidéo de présentation, le coussin Miaouss Team Rocket. Donc ça, c'était aussi, c'était la même série. Donc elles sont plutôt sympas. Il est vraiment bien fait. J'aime bien sa petite pose, la petite Miaouss, tout mignon. On dirait qu'il est à la plage. Bref, on poursuit. Qu'est-ce qu'on poursuit avec qui? Je sais pas dans quel sens continuer. Bah on va continuer à droite. Donc tiens toi, vu que t'es à moitié tombé, un petit Lucario. Alors là, on change d'animaux, c'est plus un chat. C'est un petit loup, alors un petit chien. Donc là, c'est un Lucario petite, justement. Donc c'est une petite collection de petites peluches porte-clés. Toutes mignonnes. Bien détaillées quand même. Voilà, petit Lucario. Tout mignon. Donc lui aussi, je lui enlèverai sa chaînette. Ensuite, hop, le petit Lucario. Là, c'est Lucario MPC. Donc My Pokémon Collection. Oui, c'est vrai que je n'ai pas dit le nom complet tout à l'heure. Donc c'est comme le petit Miaouss hein, de Banpresto. Et donc voilà, donc série XY. Donc lui par contre c'était le set combat. Donc évidemment il y avait d'autres combats comme, je sais plus les noms. Pandarbar, comment il s'appelle? Blaziken. Brazegali. Et voilà, et d'autres trucs. D'autres Pokémon combat. Bref, ensuite, ah les petites merveilles. Par qui je commence? Je sais pas. Par Goupix. Allez, venez. Tiens, le tout dernier Goupix. Qui est sorti. Alors, donc, Goopix Pokémon Center, donc classique, basé sur les artworks. Vraiment beau, quoi. Vraiment super détaillé, super, super beau. Voilà, avec toutes ses queues. Et tout mignon. Oh, Dieu, comme il est tout mignon. Donc, vraiment, ça, j'adore. J'adore ce petit Goopix. Bon, on avait déjà eu des peluches Goopix, comme vous voyez, surtout que j'ai pas tout. Par contre, la réelle surprise qu'on a eue, parce que c'est pas lié à une promo. Ou un film, ou enfin, vous voyez, ils n'ont pas une apparition particulière en ce moment, je crois. Oula. Domino D derrière. Bon, et donc, la grande surprise, c'était Fenard. Le magnifique Fenard. Hop. Alors, qui, lui, n'avait jamais eu de peluche, il me semble. Et donc, c'était. Moi, bon, déjà, c'était exceptionnel. Et en plus, la peluche est magnifique. Mais vraiment magnifique. Je ne sais pas quoi dire d'autre, à part magnifique. Déjà, la pose, là, un petit peu, genre. Un petit peu royale et tout. Et puis voilà, enfin vraiment le détail Pokémon Center. Ah tiens, on va vous montrer un peu, tiens. J'ai pas pensé à ça. Les petites empreintes, enfin, les petits coussinets. C'est tout mignon. Petits coussinets. Donc ouais, là, vraiment, ils sont très attachés aux détails. Donc tant mieux. Hein. Ensuite, donc tiens, je vais vous montrer d'ailleurs son paper tag. Hop, vous voyez, donc ça c'est les paper tags XY. Voilà. Enfin, étiquette papier Pokémon Center. Et vous allez voir, ça va changer. Enfin, celle de de Black and White. Donc, je vous en ai pris une pour comment il s'appelle? Chatrippant. Voyez, c'est pas tout à fait pareil. Moi, je préfère un peu le style Black and White en rond complet. Mais bon, après, ça garde un peu le même principe Pokéball et tout. Bref, on poursuit avec d'autres Goopix, donc un peu plus anciens. Alors lui. Ouais, bon, en fait, lui, donc c'est un petit Tommy
Il est tout petit petit, mais vraiment tout petit petit, parce que si vous voulez, les canvas d'habitude c'est petit, mais ça à côté d'une canvas c'est super petit. Et donc lui normalement il est dans un œuf qui est au fond, que je vous montrerai peut-être tout à l'heure, parce que là il sert d'appui. Et donc voilà, donc il était sorti avec, il y avait je crois un petit azuril, je crois, un petit pitchou, un petit évoli, et donc ils étaient dans des œufs. Donc c'est vraiment, c'est plutôt original. Et ils sont tout petits mignons. Tadam, petit goupix. Voilà. Ensuite, bah tiens, on va voir la canvas. Bon, je sais pas pourquoi je m'évertue à vouloir que ça reste en place. Faut que je m'habitue, ça va être en bordel, ça va être en bordel, c'est comme ça. Donc, on poursuit avec le Goupix Canvas, donc qui lui date de 2010. Et donc, vraiment super peluche. C'est une des premières peluches que j'ai eues d'ailleurs, je crois. Ouais, c'est vraiment dans les premières que j'ai achetées, et j'ai bien fait, parce que maintenant ça vaut une petite fortune, donc je l'achèterai pas maintenant, par exemple. voilà, quoi, super beau, super détaillé, avec, alors là, le petit agate haché, c'est un peu exceptionnel. Est-ce que je vous montre? Est-ce que la macro se fait? Je n'en sais rien. Bref, donc c'est le petit Goupix Canvas. Canvas, d'ailleurs, ils font plus de Canvas, c'est un peu... Genre, il y a eu une petite période, là, 2008-2010. Après, ils en ont fait un set, je crois, ou deux... pendant Black and White, et maintenant plus rien, c'est dommage parce que c'est plutôt sympa. Bref, on poursuit avec un vieux Goupix, un old school encore, genre du 20e siècle. Hop, donc petit Goupix. Alors, c'est un tissu un peu spécial, je sais plus comment on va appeler ça, c'est genre tissu éponge, c'est un peu particulier. Voilà, et en tout cas, par contre, moi ce qui m'a surpris surtout, c'est. Sa couleur très vive, super belle couleur. Enfin, je veux dire, pour un truc qui date de 99, quoi. Il est super bien conservé. Et voilà, quoi. Vraiment, j'adore. Petit Goupix. On poursuit avec vous derrière. Ouille! Attendez. Et le bec. Allez, on va essayer d'arranger un peu, quoi. Je suis un peu maniaque, un peu chiant. Désolé. Bref, donc là, c'est un petit lionceau. Donc là, un Pokémon Center. XY, évidemment. Voilà, et puis alors lui, enfin, il est trop chou, quoi. Vous avez vu les petits coussinets, enfin, de toute façon, c'est généralement chou, hein. On va pas acheter une peluche qui est pas chou. Hein. Voilà, quoi, il est tout mignon. Donc, petit Télionceau, vraiment adorable. Un petit bébé. Tanam, tanam. Ensuite, alors, on va poursuivre avec les Woufouf. Donc, oui, bah, t'es la canvas Caninos. Donc, c'est le même principe hein, que notre ami Goupix, c'est une peluche qui maintenant vaut cher. Voilà quoi, parce qu'elle date aussi de 2010. À mon avis, c'était le même set. Voilà, les petits coussinets, tout choupi. Avec ça, c'est sa petite fourrure qui est plutôt sympa. Ça rappelle un peu aussi le. Comment il s'appelle? Pyroli. Voilà. Pyroli. Ah, mais Pyroli. Ah non, je l'ai pas, Pyroli. Je l'ai vu, mais je l'ai pas. Bon, voilà, ça c'est les évolutions. Alors, les évolutions Canvas aussi, ça vaut. Enfin, ça vaut une fortune. En fait, c'est très étrange, mais depuis quelque temps, la cote a diminué. Et donc, ça vaut. Enfin, je vais pas dire que ça vaut plus grand-chose. Mais genre, c'est monté à des sommets. On était dans les 100$, voire 100€. Et maintenant, c'est redevenu normal. Donc, comme quoi, ne désespérez pas. Hein, s'il y a une peluche que vous voulez et qui vaut une fortune, surtout, alors déjà, ne vous basez pas sur eBay parce que, bon, voilà, eBay, c'est pas les vraies cotes. Mais ne désespérez pas, ça peut redescendre. Bon, après, ça peut continuer de monter aussi. Alors, on poursuit. Attendez, bon, je suis pas grave, je vais vous faire Arcanin avant de reprendre le Caninos. Donc, Arcanin, là, c'est un Pokémon petite, donc tout petit, qui est trop chou, mais regarde-moi, c'est comme qu'il est trop chou, avec cette petite fourrure comme ça. Lui, on était super contents parce que, en fait, il n'y a pas tant de peluches d'Arcanin. Je crois qu'il y en a une seule, autre. Et c'est une bande Presto, et elle vaut un peu plus cher. Donc du coup, c'était super d'avoir ce petit chien lion là qui est trop chou. Oh là là, ils sont trop choux. Bref. Ensuite, ah, là, ça va se casser la figure. Tiens, pendant que tu te casses la figure, elle prend ton œuf. Donc là, c'est pour vous montrer l'œuf de coco là. L'œuf de Goupix. Vous voyez, ça se présentait comme ça. Hop, c'est plutôt rigolo. Hop, alors donc on passe au Caninos, Caninos Pokémon Time. Donc Pokémon Time, comme vous voyez, en fait c'est une série qui a un design un peu particulier. Alors que parfois soit on aime soit on déteste. C'est assez radical. Bon moi j'adore évidemment. Je trouve ça vraiment vraiment trop trop mignon, trop beau avec ses petits yeux. C'est un design un peu simplifié. Mais en cute, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous le verrez surtout avec le Ponyta, genre, ça, la forme du visage est très, très, très simplifiée. Voilà, quoi, c'est vraiment adorable.
Et donc les petits Pokémon Time, donc ça c'est la série de 2012. Hop, on va le caler, on va le caler où on peut le caler. attendez, parce que je vous ai sorti son PayPal aussi pour vous montrer un peu. Donc là pareil, les PayPal assez simples. Donc un petit fond, le petit artwork. Bon, derrière on s'en fout. Et puis voilà. Ensuite, qui je vais vous montrer? Tiens, un Pokémon. Alors là, c'est pas un MPC. Ah si, c'est un MPC sûr. Parce qu'il y a une version non MPC. Enfin bon, bref. Donc voilà, encore un petit Banpresto. Donc là, c'est Woufouf. Ponchio. Oui, Ponchio. Voilà, il s'appelle Ponchio. Donc tout mignon aussi. On poursuit avec Coifarel. Coifarel. Alors Coifarel, bon, lui, il est très, donc très mignon. Toujours My Pokémon Collection. Série XY cette fois. Par contre, lui, ce qui est un peu, enfin, ce que j'allais dire décevant, c'est que le Pokémon, je m'attendais à ce qu'il a, il ait plus de goodies. C'est-à-dire qu'il n'y a rien eu sur lui, il n'y a pas eu de promo. Alors peut-être qu'il garde ça pour plus tard. Mais vraiment, je m'attendais à ce qu'on ait plein, plein de Coifarel. Et nada. Donc c'est un peu tristouné parce qu'il est mignon ce petit chien. Enfin, je sais pas, bon, faut aimer les caniches, mais il est plutôt mignon. Hop, enfin bon, bref. C'est pas grave. Ensuite, on change d'animaux. On passe au petit furet. Alors là, donc c'est un My Pokémon Collection, encore. Lui, c'était quoi? Est-ce qu'il était dans une série? Je crois qu'il était dans une série normale. Mais en fait, je crois qu'ils étaient dans la même série. voilà, ça doit être écrit parce que c'est bien sur les touch tags, donc les étiquettes tissus, il y a tout décrit aussi. Mais là, je sais pas lire le japonais. Bref, donc là, c'est un petit petit fouinard. Voilà. Donc en style, vous voyez, ça reprend l'avatar. Vous allez voir la différence par rapport au style Pokémon Time. Donc voilà, tout mignon, petit fouinard. Et donc, le Pokémon Time de, alors cette fois-ci, ouh, ça va se casser vite, de 2014. Tadam. Donc là, vous voyez, vous vous rendez compte vraiment du style simplifié et un peu loufoque, un peu rigolo, que moi j'aime beaucoup. Donc là, lui, je l'adore. Alors, il était énorme. Je m'attendais pas à ce qu'il soit énorme parce qu'évidemment, quand on le voit comme ça, on se dit ok. Après, il y a tout la queue, machin. Hein. Hop, il est trop rigolo avec petit hashtag Pokémon Time. Plutôt sympatoche, classe, simple. Et puis sa petite tête de petit fouinard. Oh, il est trop mignon. Voilà. Hop. Ensuite. Alors que je vous arrange ça. On va passer au Lapinou. Même si. Ah non, on a un petit chinchilla avant. Un petit chinchilla. Hop. Là, je mets un petit peu en place. Désolé, je fais du ménage. Ah, mais lui, il n'était pas là. Bref, on s'en fout. Donc là, nous avons un. Comment il s'appelle? Chinchilou? Oui, c'est un chinchilou. Petit chinchilla. Donc aussi, lui, il est tout mignon. Hop. Alain, il nous fait coucou. Alors, il y avait juste un petit truc qui m'avait fait peur au début. C'est que vous voyez, là, il a une petite... donc, sa petite... Enfin, ses petits coussinets, il est là. Il est devant. Et ici, il est derrière. Alors, au début, je me suis dit, oh là là. J'ai chopé un Gugus un peu bizarre. Une erreur de fabrication. Même si, en soi, en fait, quand on y réfléchit, ça aurait été pas mal. Parce que... Ça voudrait dire qu'il aurait valu beaucoup plus. Mais en fait, non, après j'ai regardé, j'ai été soulagé, c'était pas anormal, c'est juste qu'ils l'ont fait comme ça. Donc voilà, le petit chinchidou. Tout cute, je crois qu'il y a un Pashmila aussi. Ou alors il est que en Pokédoll. Non, il est que en Pokédoll. Voilà. Ensuite, lui, je vous l'ai montré. Donc on passe au Lapinou. Avec. Oui, alors Sapporo. Oh, c'est pas grave. Alors là, c'est un énorme Sapporo. Alors attendez, je vais voir. Il faut que je me recule de combien là. Donc c'est un Sapporo Banpresto. Donc XY. Et là, c'est un huge, un big. Hop, vraiment énorme. Alors au début, c'était pas un Pokémon que j'aimais particulièrement. C'est bizarre. Enfin, genre, c'était ok. Bon, bah, c'est un lapin. c'est un peu ça ma réaction. Et en fait, bah, je crois que c'est avec les peluches. J'ai eu un petit coup de cœur. Et je me suis dit, mais non, mais il est adorable. Et adorable ce lapin. Ce n'est pas un lapin, c'est THE lapin. Et donc voilà, donc j'ai décidé d'acheter. Vraiment, il est trop mignon. On va rapprocher. Petit Sapporo. Voilà, avec ses grandes oreilles. Hop, d'ailleurs, tiens, il y a celle-ci qui est marrante. C'est la Pokémon Center. Alors, ici, Pokémon Center. Il fait vraiment lapin de Pâques. Ou alors ils font tous comme ça, mais je sais pas, il fait vraiment un petit lapin de Pâques. Donc là, lui, vraiment, ils ont fait les grandes oreilles dressées. C'est assez rigolo, on irait un peu emballé. Voilà, il est très rigolo. Moi, j'aime beaucoup ce petit Sapro. Vous monte, hop, derrière. Tadam! Puis une version encore Banpresto, mais ça c'est une série un peu, c'est série chibi quoi. Ça fait un peu genre Pokédoll, mais version Banpresto.
Tadam. Donc c'est pour ça, donc on a un design là un peu plus disproportionné. Disproportionné, putain, je dis sexy ou quoi? Oups, faut pas dire de gros mots. Et donc voilà, donc il est tout chou aussi, avec sa grosse tête. Hein. Du coup, il n'a pas des énormes oreilles au final, lui, par rapport aux autres. Bref, nous arrivons au Ponyta. Ponyta Bam, pas Bam Presto, non, Ponyta Pokémon Time, dont je vous ai parlé. Donc vous voyez, sa tête, là, vraiment très simplifiée, c'est juste un ovale, quoi. Et donc lui, il est très beau. Vraiment, je crois en plus que c'était la seule peluche Ponyta, si je ne dis pas de bêtises. Et donc très simple, en fait, vous voyez, donc son petit truc tout blanc avec ses petits talons aiguilles bleus, là. Et puis sa crinière. Alors la crinière est très brillante, je sais pas si on va bien le voir, mais genre, c'est vraiment super beau. Moi, j'ai craqué sur sa petite crinière. Il est vraiment trop trop classe, donc c'est tout doux. Et donc vraiment, lui, je l'adore. Donc vous voyez, j'ai gardé Pepetac, je sais pas pourquoi. Et il est trop chou. Tout simple, ça fait vraiment comme les peluches ou les chevaux à bascule, vous voyez. Là, pour enfants, un peu en tissu, enfin, voilà, un petit Ponyta. Hop, petit cheval. Donc, on va le remettre ici. On continue avec du Pokémon Time. Alors lui, c'était série 2012, même année que Caninos. Et là, on fait série 2014, même année que Fouinard. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Et ils ont la même tête, enfin, ils ont les mêmes oreilles. C'est un peu, je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est très rigolo. Enfin, moi, ça me fait rire. Peut-être que vous ne trouvez pas ça drôle, mais moi, ça me fait rire. Donc là, c'est un petit mangriffe, donc une sorte de chat. Au début, j'avais même pas réalisé, en fait. C'est quand quelqu'un me l'a dit, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il a peut-être une tête de chat. Et donc, chat sauvage, quoi. Chat un peu vindicatif qui vient de se venger. Voilà, qui fait la guerre. Hop, petit coussinet. On n'y loupe pas, c'est vrai que c'est un peu la famille pour les coussinets, là. Donc voilà, toujours petit détail, donc brodé, machin, c'est trop cute. Hop, et voilà, quoi, il est plutôt classe, avec ses petites pattes, ses petites griffes. Et voilà, hop, petit Mangriffe. Je sais plus si j'avais dit son nom. Mangriffe. On poursuit avec un petit Chakripan. Ok, trop chou. Petit Chakripan, donc Pokémon Center, donc époque Black and White. Lui aussi, hein, plutôt classe, plutôt beau. Oh mon dieu, je suis en train de me dire s'ils avaient fait un gros Léopardus allongé. Oh mon dieu. Mais non. Mais non, mais non. Voilà, et donc voilà. Petit chat cripant. Vous me direz, hein, vous, lequel chat vous préférez. Enfin, lequel animal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chats. Et puis, on va finir avec la famille des miaou de la 5G. Alors, je sais pas par où commencer. T'es par Espure. Espure. Comment il s'appelle? Psystigris? Oui. Donc, là, c'est la version Pokémon Oops. Donc c'est une série où genre en fait ils font des bêtises. Comme vous voyez les peluches sont assez plates. C'est un petit style un peu spécial. Et en fait c'est pour ça qu'ils sont choqués hein, parce qu'ils font des bêtises. Donc là c'est ah mon dieu. Oups d'ailleurs avec un joli touch tag. Et aussi une très belle étiquette papier que je vais vous montrer tout de suite. Tadam. Vous voyez elle est c'est vraiment beau. Hein. C'est pour ça se garde à part. C'est vraiment un super objet de collection. Rien que l'étiquette elle est super détaillée. Et petit détail justement, encore, c'est que, étonnamment, alors ça m'a surpris quand j'ai vu ça, c'est une des rares peluches à ne pas être made in China. Elle est made in Vietnam. Enfin, elles sont, c'est la série qui est made in Vietnam. C'est assez rigolo. En plus avec ça, enfin je sais pas, moi ça me fait un peu penser à des peluches custom, des peluches d'artistes, donc c'est vraiment chou. Voilà, petit psystigris. J'adore cette petite collection. Il y a un Miaouss, il y a un Brutalibré, il y a plein de trucs. Ensuite, comment il s'appelle? Bah, c'est toujours le même, je suis bête. Voilà. Mais je me souviens plus, non. Psystigris. Psystigris, donc ça, c'était la collection ben, Espure Wanted. Enfin, Psystigris Wanted, recherche Psystigris, quoi. Avec un petit profiterole. Profiterole célébration, je crois. Je sais plus, je joue pas trop au jeu, ma console est cassée. Voilà, qui est plutôt chou. Voilà, qui va avec, donc qui était sorti en même temps que les deux gros miaou là-bas, vous allez voir après. Hop, vous voyez, même le touch tag est super beau. Avec le petit profiterole. Ça, c'est plutôt classe. Enfin, j'aime beaucoup, moi. Hop, voilà. J'espère que toutes mes images seront pas floues. Et donc, alors lui, il y a un petit détail aussi, parce que vraiment, il pousse le détail à fond. Il y a ses petits yeux d'hypnose, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment dire, mais vous voyez. Hop. Bon, je veux pas non plus le casser. Hein. Mais voilà, c'est pour vous dire que vraiment, donc le truc qu'on voit pas, vu que les oreilles sont attachées, ils le mettent quand même. C'est pour vous dire qu'on rigole pas au Pokémon Center. Voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer l'étiquette papier, qui est plutôt classe. Vous voyez d'ailleurs bah, les parents qui tiennent une fiche.
une affiche de recherche parce qu'ils ont il s'est barré le pauvre, il a fait une fugue avec un petit profiterole parce que dans les images enfin là j'ai pas mais il y a genre sur les Clearfile ou d'autres il y a plein de petites images et genre je crois qu'ils étaient en train de manger, il leur a volé le profiterole, le petit chenapan. Donc on vit, enfin on vit, on arrive. Alors là c'est des big mistigris, super doux. Alors vraiment, mais c'est d'une douceur. Oh là là, on pourrait faire de la pub pour les produits lavage machine. Et donc voilà, une très belle mistigris femelle. Voyez, bon, je sais pas trop ce qu'on voit là, parce que c'est tellement énorme que finalement vous les voyez très bien là-bas. Voilà. Et puis on poursuit avec forcément la version mâle. Vous voyez, on a toujours le petit la petite étiquette tissu là. Hashtag bien détaillé avec le profiterole. Et puis là, le mâle, c'est un peu Roméo et Juliette. Hein. D'ailleurs, si un jour je les ai en shiny, donc si un jour ma console remarche, je les appellerai comme ça. Enfin, si je les ai en shiny. Hop, tadam, donc très beau. Bon, je préfère le mâle. Hein. Peut-être c'est parce qu'il y a plus de bleu que moi, je suis un lover du bleu. Mais les deux sont très sympas. Et on va finir. Attendez, du coup, je vous arrange ça un peu. Que la photo de fin soit pas trop moche. Hop, on va finir avec un mini psyst... non mais Mistigris mâle. Donc lui Bam Presto et c'est la série mâle justement parce qu'il y a un petit set de mâles parce que maintenant ils mettent bien en avant les différences mâle-femelle. Je trouve ça plutôt sympa parce que du coup c'est plutôt cool. On a des trucs plutôt originaux et donc il y avait lui, il y avait Moyade, il y avait Culbuto avec son rouge à lèvres. Enfin bon, pour l'instant j'ai que le 7 mâle, il faudra que je trouve le 7 femelle. Mais donc c'est plutôt mignon. Voilà. Et donc, ben, on a fini. Hein. On a fini notre petit tour de mes peluches Nanimo. Donc ben, j'espère que ça vous a plu. Que la vidéo était bien, ça je vais le voir là. Et puis ben, du coup, je vous dis à la prochaine, peut-être pour une autre vidéo comme ça, ou d'arrivage, enfin on verra. Voilà. Merci, ciao!